Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler des montres. Donc je sais pas si comme moi vous avez un ordinateur de plongée et régulièrement, donc une fois par saison, dû au nombre de sorties, j'ai toujours le bracelet qui casse. Donc la première fois c'était un petit peu chiant, je me demandais comment j'allais pouvoir changer ça. Et donc je vais vous montrer que c'est super facile. J'ai commandé sur un site internet, donc je vais vous mettre le lien dans la description, un kit de bracelet Suunto. Puisque c'est une Suunto D6i Black. Et donc je vais vous montrer comment changer donc les bracelets une fois par saison. C'est quasi obligatoire pour moi. Donc pour ça il vous faut un tournevis. Donc c'est le plus petit que j'ai trouvé en étoile. Et donc vous avez deux vis à démonter. Alors je vais vous les montrer. Vous avez une vis ici et une vis ici. Donc on va les démonter. C'est super facile. Petit tuto vraiment simple, mais ça peut peut-être vous servir. Moi, la première fois, j'étais un petit peu emmerdé. De toutes petites vis. Pour les enlever. Dans le kit, ils en mettent des neufs. Donc, je les remets à chaque fois neufs. Voilà. Hop, vous enlevez la petite vis. Une fois que vous l'avez enlevée, voilà, ça s'en va tout seul à l'intérieur. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc, une petite partie métallique qui vient se mettre dedans. Donc vous les retirez. Tac. Voilà, là il n'y a plus que la montre. Et là, dedans, on va récupérer donc les deux parties. Neuf. Alors en fait, il existe toutes les couleurs, hein. Vous pouvez acheter la couleur que vous avez besoin. Alors, faut faire attention de bien récupérer les toutes petites vis. Et voilà, une fois que vous avez récupéré. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous venez mettre les deux parties dedans. Hop, on insère la petite vis. Alors, hop là. Et voilà, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment tout simple. Mais la première fois, je pensais qu'il fallait démonter complètement la montre. Je savais pas qu'en fait, juste ces deux petites vis, alors ça peut paraître super bête. Mais si ça peut vous éviter de galérer sur les montres Suunto, voilà, je voulais vous montrer comment changer le bracelet. Voilà, serrez bien. Tac. Et voilà, on a une montre avec un bracelet tout neuf. Il n'y a plus qu'à la remettre. Et voilà. C'est reparti pour une saison. Tout neuf. Allez, ciao les gars, à bientôt.